Allez. Allez, U. On y va. Écartez-vous. Vous ne voyez pas qu'on est mal écrit ? Ne le rejetez pas, Rick. Chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Que voulez-vous ? Réjouissez-vous. Car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Entendu. Je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris ? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je ? Près du pont qui mène à Novigrad. Saleté. Un coup d'igni et c'est bon. Thank you.
Plus vite. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Amène-toi. Digni et c'est bon. Celui-ci vient encore. Quand c'est pas le prêtre, c'est les bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rancard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Bon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. Trois fois une commande du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la quatrième, ces gars se pointent avec des couteaux, pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant rien, on ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors? C'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Un coup d'igni et c'est bon. C'est bien, Ablette. Dépouillez-le et balancez-le dans un fossé.
Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche ? Pourquoi les prêtres ont-tellement tardé à s'occuper des défunts ? Le premier devoir de l'Église du Feu Éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille. Soins aux blessés, réconfort aux réfugiés, offices religieux, sermons, collecte des dons... Content de le savoir. Sans vous, que deviendrait le petit peuple ? Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez... vif. Et plutôt loquace. Comment ça ? Un des revendeurs de Fistech a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant, en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire, en exclusivité et à jamais. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3-1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le ! T'es mort. T'es mort. Il est encore temps de renoncer.